Voilà, nous sommes qu'à une demi-heure de Molesme. Ça fait déjà plus de 20 km que nous traversons la forêt, la route, tout ça. Voilà, le défi a été lancé ce matin parce que Romain n'a pas voulu monter dans le vent que Léa et Christophe nous avaient ramené. Donc le blocage a été total dès le départ. Et du coup, ben, pour leur montrer quand même ma gratitude envers eux, et de s'être déplacé pour rien, et ben j'ai décidé de venir avec Romain pour laisser Romain avec son copain Valou dans le pré. Et là, on est en train d'un peu de paître parce que 20 bandes dans les pattes, elle commence à en avoir un peu plein le dos. Et moi aussi, hein. Mais bon, j'aurais fait peut-être la moitié du chemin à pied quand même, et puis l'autre moitié sur son dos. Mais bon, pas stressé. La preuve, presque sèche, mais si ce n'est que les flocons bah, viennent lui donner un petit peu de d'humidité. Oh, ma petite louloute, hein. Bon, ben voilà, un gros bravo pour la petite mère, hein, parce qu'on va bientôt arriver. Alors là, c'est un paysage de fou, une neige comme on n'imaginerait même pas. Après le 20 novembre. Hein? Magnifique. J'ai l'impression que nous sommes les envoyés, hein, pour annoncer l'hiver, hein, les deux pèlerins. Hein. Bon, allez. Vire-moi ça. Oh, tu arrêtes de manger des cochonneries. Alors, vraiment pas stressée, la grosse. Puis là, bon, aujourd'hui, elle a trotté. Elle a fait de sa vie. Elle était presque même partie au galop à un moment donné. Mais connaissant pas ses réactions, ben j'ai pas voulu tester. Donc voilà. Mais je pense qu'elle m'aurait pas viré. Je pense qu'elle commence à se faire à ma personne. Allez louloute. Bon bah ben, je vous laisse. On va bientôt quitter le bois pour la dernière partie du voyage. Allez. Allez Romain. Salut. Dis salut. Hein? Voilà.